Radio. Les Français parlent au Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio. Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1974 et 1975, lors de quadruplement du prix du pétrole suite à la guerre du Kivour Qu'est-ce qui s'est passé exactement en l'an 2000 à Château-Chinon, puis à Doha au Qatar, entre l'Organisation de la Conférence islamique, l'Isesco, l'équivalent islamique de l'UNESCO, et les pays d'Europe Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on le raconte, un document exceptionnel. Sud Radio, Berkov dans tous ses États. Le face-à-face. -face. Et on en parle, André Bercoff avec votre invité, Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, ancien candidat à la primaire de la droite et auteur de ce livre, L'Islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée, publié aux éditions du Rocher. Alors, Jean-Frédéric Poisson, bonjour. J'ai lu votre livre avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, d'autant plus que vous parlez de quelque chose, et c'est le cœur de votre livre, c'est ce fameux rapport que vous appelez, enfin la stratégie. Et je voudrais qu'on en parle parce que c'est à la base. Je voudrais qu'on rappelle historiquement parce que ça, ça se sait très 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 peu. Euh, et qu'on qu parle historiquement. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous Qu'est-ce que c'est que ce rapport entre qui et qui Qu'est-ce qui s'est passé Alors il y, a, il y a deux temps. Je vais commencer par le plus proche. À partir de 1983, l'organisation de la Conférence Isla, la coopération islamique, sollicite son UNESCO à elle, qui s'appelle ISESCO. ISESCO. Euh, dont le siège est à Rabat, au Maroc, pour élaborer une stratégie de confortation des communautés musulmanes installées en Occident, mais qui en fait, euh, à la lecture du texte, est un document de conquête. Ce document s'appelle Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. C'est un document officiel. C'est pour les, les, pour les, C pour les, les musulmans les installés en sont, Occident. Voilà, en Occident, d'accord. Voilà. Donc les États musulmans du monde, les 57 États musulmans, adopte un document qui est un document visant dans un premier temps à conforter les communautés islamiques occidentales et dans un deuxième temps instaurer un communautarisme de manière définitive en Europe puisque l'Occident c'est en fait plutôt l'Europe et troisièmement une logique de séparation et de domination par la charia. Dans ce document qui s'appelle donc qui est une stratégie un plan d'action très concret il y a deux expressions qui m'ont frappé la première c'est la volonté d'installer je cite une civilisation de substitution fermé des guillemets. C'est écrit, la place, comme ça. écrit tel, quel dans la tel quel dans le document stratégique. Civilisation de substitution. Euh, dans, le, dans, dans ce document, donc vise à substituer l'islam euh, à la civilisation occidentale et à, et à notre mode de vie occidental. Et puis, comme j'ai apporté le document avec moi, je ne veux pas faire d'erreur, je lis euh, à la page 105 de ce document, il s'agit, je cite, de préparer les outils qui servent à construire une société islamique pure et saine, en harmonie avec sa nature et conformément à l'instinct naturel humain, d'une part, aux bases de la démocratie européenne, d'autre part. Donc l'intention est très claire, ça n'est pas simplement de nourrir les communautés musulmanes et de les inviter à continuer de se nourrir de leur foi de leur culture, ce qui serait parfaitement légitime, ça vise à instaurer en Occident une société islamique. Oui, sauf qu'attendez, vous venez de dire « conformément aux bases de la démocratie européenne ». Oui, mais alors c'est là, là qu'il y a un problème. Ouais. Parce que les bases de la démocratie européenne, c'est la liberté religieuse, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté d'expression, c'est le droit de choisir son mode de vie comme on veut. Si on aime l'alcool, boire de l'alcool. Si on aime le porc, manger du porc. Et ainsi de suite. Il y a des tas de choses qui sont des interdits religieux ou des principes légaux de l'islam qui sont incompatibles, purement et simplement, avec notre civilisation. D'accord. Alors justement, dites-moi. Euh, juste parce qu'on a dû vous accuser déjà de complotisme. Tout ça, n'est pas des fake news. C'est ah absolument non, non, non. authentique. On peut le trouver. Ce ah, euh, je... que vous avancez. Ah oui, oui. Euh, et là, est basé, parce qu'on peut dire aussi, que ça y est, tentation du complot. Et non, 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 il n'y a aucune tentation de complot. Les auditeurs peuvent parfaitement trouver ce document sur le site de l'ISESCO, isesco.org. Ils trouveront ce document qui s'appelle Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Il est en trois langues. Il y a trois langues officielles de l'ISESCO l'anglais, l'arabe et le français. Ce document fait 120 pages et vous pouvez le trouver. Dans les minutes qui viennent, sur le site de l'ISESCO. Alors, Jean-Frédéric Poisson, qui est derrière l'ISESCO Qui est derrière aussi c'est Qu -ce, qui, qui est à la manœuvre D'abord, d'abord l'ensemble des États musulmans, les 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique qui ont adopté à l'unanimité le document dont nous sommes en train de parler. Deuxièmement, euh, très probablement, l'influence des frères musulmans derrière cette organisation euh, qui ont, pour les premiers, euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, théorisé en quelque sorte la conquête de l'Occident. Et la volonté de faire régner la charia sur le monde occidental. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'islam est un projet global. Il ne sépare pas les dimensions, la dimension politique de la dimension religieuse et du contrôle de la vie sociale. Le, oui. euh, et c'est un devoir pour dans tous la les laïcité, musulmans. La laïcité, il n'y a pas la laïcité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas la séparation non. de l'Église et de l'État. Ça n'existe oui. pas. Il n'y a absolument rien d'équivalent euh, dans l'islam. La laïcité, c'est une invention chrétienne, hein, par ailleurs. La source historique est très claire. Euh, et il est un devoir pour tous les musulmans de conforter la communauté et de faire détendre, en quelque sorte, le règne de l'islam. C'est quelque chose qui est constitutif de l'état même du fidèle musulman et donc le document, d'ailleurs, de ce document, la stratégie insiste beaucoup sur le risque d'affadissement des communautés musulmanes occidentales et le fait que beaucoup d'entre elles aient renoncé à transmettre cette foi. Et donc, ce document vient les conforter, rappeler cette obligation impérieuse qui est faite à chacun d'entre eux. Oui, mais alors, Jean-Frédéric Poisson, vous le savez très aussi bien que moi, vous êtes français, vous êtes député, vous êtes président du Parti chrétien-démocrate. Beaucoup de musulmans ne suivent pas ça. Je veux dire, il y a les fidèles musulmans, mais enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui, qui boivent de l'alcool, qui, qui ne sont pas dans des observants. Ah ben, bah, euh... non, non, mais je, je, vous, vous avez vu, puisque vous avez fait. L'exercice, le, et je vous en remercie de lire mon livre, que euh, je prends un soin très particulier à distinguer d'une part l'islam comme doctrine et comme projet politique, euh, d'une part, et d'autre part l'attitude des musulmans par rapport à leur propre, euh, oui, à citoyen, leur propre religion. Euh, oui. de et je comprends très bien que, euh, comment dire, on puisse ne pas être plus attiré que ça par un certain nombre d'interdits qui frappent euh, la vie quotidienne des musulmans dans leur texte fondateur. Chacun a le rapport qu'il peut et qu'il veut avec la religion qu'il a choisie, s'il en a choisi une. Ça, c'est la liberté individuelle, telle qu'en en Occident, en tout cas, nous la définissons. Il, Et il peut je... être aussi être athée s'il a envie d'être ah, athée. Ah ben, s'il a envie d'être athée, en tout cas, dans les pays occidentaux, il a le droit. J'observe ouais. que dans les pays musulmans, c'est beaucoup plus difficile. Cela étant dit, euh, je vois aussi, car j'ai lu le, le livre de vos deux confrères du Monde, euh, paru il y a quelques jours, sur l'islamisation uh... en Seine-Saint-Denis, j'observe que, euh, sans doute, y il y a-t-il beaucoup de musulmans qui ne partagent pas ces visées et qui ne sont pas d'accord avec ce projet de société, mais dans l'état actuel de notre pays, dans ces territoires en tout cas, qui ont tendance à s'étendre. Ils sont contraints. Oui, je rappelle par la pression que... sociale et par une certaine forme de pression un peu brutale, pour ne pas dire violente, parfois, par des gens qui eux sont parfaitement au courant de ce plan et euh... qui veulent l'appliquer. Tout à fait. Je rappelle simplement que puisqu'on fait à juste titre, on fait euh, un sort au livre, euh, un succès au livre de, de, des étudiants mmh. de Je rappelle qu'il y a 15 ans est paru les territoires perdus de la République, oui. qui racontait mmh. déjà tout cela, mais n'a pas eu le même. Mais je voudrais revenir à de vous Monsieur et... Bensozam. Voilà de Monsieur Bensoussan. Mais jean des Poisson, je voudrais Retourner à votre livre, parce que justement, ce rapport, et je voudrais quand même revenir à ce qui s'est passé avant. On parlait de 70 ans, 75, vous en parlez aussi dans votre livre. Qu'est-ce qui se passait en 74-75 Eh bien, après, le, après la guerre du Kippour, euh, qui était une défaite pour les armées arabes, euh, des pays arabes contre euh, l'armée israélienne, euh, les pays arabes se sont vus contraints par l'ONU de négocier euh, une paix, un armistice, un cessez-le-feu, tout ce que vous voulez. Avec Israël et ils l'ont beaucoup reproché aux pays occidentaux. Et en guise de représailles ou de rétorsion, euh, les organisateurs, les, les membres de l'organisation des pays exportateurs de pétrole l'OPEP, euh, oui. a décidé d'augmenter dans des proportions drastiques le prix du pétrole pour punir en quelque sorte euh, l'Occident. Et mon propre papa, qui a été une victime euh, économique euh, définitive quasiment de ce choc pétrolier, euh, en, en gardait un souvenir ému, et moi, comme son fils aîné, également. Euh, un an et demi après, se réunit à Strasbourg une association de parlementaires euh, qui discute avec les pays arabes et qui adopte une forme de charte. Dans cette charte, il est dit en substance que. Euh, parlementaire européen, union de parlementaires européens. Oui, il est dit en substance que, euh, d'un côté, les États occidentaux sont d'accord pour euh, constater qu'ils ont besoin d'une main-d'œuvre moins chère qui va venir d'Afrique du Nord et des pays musulmans d'Afrique du Nord. À quoi les États musulmans répondent Nous sommes d'accord, mais à deux conditions. La première, c'est que, effectivement, vous infléchissiez et vous équilibriez la manière dont vous parlez du conflit israélo-palestinien en donnant un peu plus de place aux intérêts palestiniens dans votre discours et dans votre communication. Et la deuxième condition, c'est que vous acceptiez que les communautés musulmanes qui viendront en Europe conservent leur mode de vie, leur langue, leur religion, et tout le tout Culturel et culturel. Et culturel et culturel. Et donc, nous avons là la première application d'un refus Nette et systématique des mécaniques d'intégration ou d'assimilation. C'est là la fondation, port, bien sûr, portée ouais. par les pays musulmans. Et d'ailleurs, le document de l'ISESCO que je commande dans ce livre revient à je ne sais pas combien de reprises sur le fait que il y a un refus très net, très systématique, très formel de toute mécanique d'intégration. Il y a même un, une forme d'alerte. Ils préviennent contre l'intégration. C'est même, même, même pire que ça. C'est-à-dire qu'il, d'une certaine manière, à mot à peine couvert dans le texte français, le texte anglais beaucoup plus direct. Euh, ils préviennent que si les pays, musulmans devaient les pays occidentaux pardon, devaient persévérer dans leur volonté d'intégrer les populations musulmanes, alors nous irions à un conflit. C'est écrit en toutes lettres. Je renvoie les lecteurs à la page 85 de ce document. Alors dites-moi, est-ce euh, que comme par hasard, ou c'est vraiment par hasard, que qu'un euh, peu avant et un peu après, Giscard Chirac décide le regroupement familial ben, C'est la conséquence, c'est-à-dire que euh, personne n'imaginait que les communautés qui viendraient, euh, enfin les, les personnes qui viendraient pour travailler en Occident, pour soulager économie, euh, les économies occidentales... Et travailler euh, à moindre prix euh, ben, C'est soulager dans ce sens-là, enfin, c'est dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire avec un impact à la baisse évidemment des rémunérations, ce que nous avons connu depuis maintenant presque 50 ans. Euh, et dont beaucoup de Français sont, sont, enfin beaucoup de gens qui vivent en France, en tout cas sont victimes, mais pas qu'en France. Euh, personne n'imaginait que, effectivement, on avait la volonté initialement que, effectivement, ces personnes d'abord viennent de manière collective, pas tout seul, et deuxièmement, qui s'installent durablement. Le projet initial de Giscard et de Chirac, c'était bien de faire en sorte que les immigrés, la main-d'œuvre immigrée, viennent pour un temps travailler en France et repartent. Rappelez-vous la fameuse affaire du million de rues On est en oui. 77, 78 de mémoire, on donnait 10 000 francs. Aux immigrés de l'époque pour qu'ils repartent vivre chez eux, euh, dont certains d'ailleurs ont profité pour revenir ensuite. C'est ce qui montre la, la bêtise de ce dispositif. Euh, mais ce regroupement familial a été décidé d'abord sous Georges Pompidou et c'est il a été conforté par un arrêt d'une décision du Conseil d'État en 74 pour faire en sorte que, enfin, on a voulu en quelque sorte humaniser le déracinement, ce qui est une bêtise là aussi, euh, en faisant en sorte que les gens qui venaient travailler chez nous euh, euh, S'ils devaient rester un peu longtemps, ne soient pas coupés de leur famille, ce qui est une intention louable, mais oui, complètement déconnecté mais du réel. L'enfer conséquences... est pavé de bonnes intentions. Comme d'habitude. Mais euh, dites-moi, euh, et personne ne réfléchissait à ce moment-là aux conséquences de. Non, que... parce que je pense que personne n'imaginait que euh, ça pourrait comment dire, prendre les proportions euh, qu'on que, euh, qu a connues depuis. Et d'ailleurs, le document insiste beaucoup, la stratégie, le document d'Isesco, insiste beaucoup sur le fait que. L'implantation pérenne et durable des communautés musulmanes en Occident est un phénomène assez nouveau. -dire que même en 2000, quand l'OCI le, le, le adopte, enfin, adopte ce document, euh, il s'étonne presque, enfin il constate comme un phénomène un peu étonnant, euh, en tout cas un fait, que euh, eh bien, ces communautés musulmanes en Occident sont installées de manière pérenne. Et c'est un élément d'appréciation un peu nouveau pour les auteurs de la stratégie, parce qu'ils disent, à partir de là, on doit penser autrement la question de la présence de l'islam en Occident. Et vous, vous dites, enfin, vous dites, le, le document que vous avez reproduit dit qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs c'est le titre de votre livre, il y a une stratégie de conquête, mais quoi, une stratégie véritablement de transformer l'Occident à terme, à long terme peut-être, en, 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 en État islamique Le enfin, en pays islamique le, le, le raisonnement est le suivant, si je peux le résumer en quelques phrases. On fait d'abord le constat qu'il euh, y a une différence de civilisation, c'est-à-dire que les États musulmans intègrent, euh, assument parfaitement le fait que nous sommes deux, deux civilisations qui sont irréconciliables. Le premier principe de méthode, c'est au tout début de l'ouvrage, s'appelle « Principe de différence des civilisations ». C'est un des fils conducteurs de l'écriture de ce document. Stratégique. Il rejoint Huntington, hein, le choc des civilisations. Exactement, il Après. est parfaitement assumé par les États musulmans. Nous ne ouais. l'assumons pas nous, ce qui est une première question. Euh, ensuite... Dans la comparaison des deux civilisations islamiques d'un côté occidental de l'autre, euh, le, les, les États musulmans considèrent que la civilisation occidentale a échoué dans sa promesse de prospérité à ceux qui vivent sous son égide. Autrement dit, la mondialisation, la globalisation ont fait la preuve de deux choses. Un, elle ne peut parvenir à satisfaire les attentes spirituelles. Euh, des personnes qui vivent sous son autorité. Et deuxièmement, elle n'arrive même pas à assurer la prospérité matérielle d'une manière réelle euh, de ses peuples. Ce qui place l'islam dans une situation de supériorité incomparable. Je cite, euh, ça n'est pas mon oui, avis, mais enfin je cite. Troisièmement, l'Occident a perdu l'apanage de l'avancée technologique qui jusqu'ici était un des instruments de sa domination sur le monde, puisque cette avancée technologique est de plus en plus partagée. Et donc l'Occident dans son ensemble est une, dans une situation de très grande faiblesse parce que. Il ne sait pas répondre aux aspirations des hommes. Il n'a pas les moyens de dominer économiquement. Il n'a pas les moyens de dominer technologiquement. Donc il y a un vide en face et de l'islam. Il faut remplir. Qu'il qu faut, qu faut remplir et que l'islam a le devoir de remplir. Et donc effectivement, c'est une stratégie très clairement de conquête. J'en veux pour preuve euh, un des éléments qui figure. Tout ce que je dis figure dans le document. J'ai. Il y a plus de 400 citations et références oui, de ce oui. document dans mon livre. C'est votre, enfin, votre livre, voilà. le commentaire. C'est un commentaire de, de texte. Il y a un moment, jusqu'à la volonté d'instaurer l'exigence de l'enseignement de la langue arabe dans les écoles. Ça, c'est une exigence de fond de ce document stratégique, la préservation des modes de vie, etc. Mais ça va même jusqu'à la volonté d'installer des juges, Musulmans qui seraient chargés d'arbitrer les conflits internes de la communauté musulmane en dehors des juridictions nationales. Ça se passe en Angleterre déjà. C'est exactement et ce qui se passe en Angleterre et au Canada. Euh, et donc c'est une mécanique non plus seulement de communautarisme, de séparation. C'est-à-dire que ouais. notre réponse politique doit être à la hauteur de cette volonté. Alors justement, parlons très rapidement. Malheureusement, on arrive, au, euh, on, on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, Jean-Frédéric Poisson, euh, quelle réponse politique Aujourd'hui, ici, parce qu'on ne va pas euh, refouler des millions de personnes, on ne va pas faire la guerre euh, ethnique, on ne va que pas que faire que. la guerre civile, on fait quoi On commence d'abord par se réapproprier notre propre civilisation et l'obligation de la transmettre aux générations futures. Deuxièmement, on fait appliquer la loi. Et à défaut de faire appliquer, ou en plus de faire appliquer la loi, on fait appliquer l'esprit de la loi. Troisièmement, je veux bien qu'on euh, s'attache à la loi de 1905, je propose que le régime particulier des associations dites culturelles, c'est-à-dire celles qui supportent religieuse. une activité religieuse, euh, soit mieux contrôlé, euh, davantage euh, comment dire, euh, davantage suivi par les autorités mmh. de l'État. Et quatrièmement, je propose également que, euh, à défaut de constituer un islam de France qui n'a aucun sens, aucun sens, on s'adresse aux personnes qui sont en charge de la, de la vie euh, quotidienne des musulmans, c'est-à-dire là où il y a des associations culturelles, il y a des responsables de ces associations, et eux doivent signer une forme de concordat, comme Napoléon. On a proposé un, euh, comment dire, euh, la communauté juive, la communauté et à israélite, à et, euh, au début du XIXe siècle. Et là, nous aurons le début d'une forme de pacte social qui sera susceptible de rassurer les Français sur le fait que les musulmans ne, veulent, ne leur veulent pas de mal et ne veulent pas changer notre mode de vie, et également capable de rassurer les musulmans sur leur capacité et leur droit de pratiquer leur religion dans des conditions pacifiques, comme c'est la volonté de beaucoup d'entre eux. Et ça permettra de déconnecter ces musulmans de l'autorité de gens qui ne sont beaucoup moins euh, bienveillant oui. à notre égard, euh, et ça permettra de clarifier aussi leur position. Et bien qui votera, verra. Merci Exactement. à vous. jean frédéric Poisson, Jean-Paul, jean vous êtes président du Parti Chrétien, démocrate ancien candidat à la primaire de la droite et auteur de ce livre, L'Islam à la conquête de l'Occident. C'est publié aux éditions du Rocher. Merci à vous également André Bercoff. On vous retrouve en direct à midi demain sur Sud Radio dans tous vos États. Émission à réécouter d'ailleurs, celle d'aujourd'hui, en podcast sur sudradio.fr. à suite, Les Clés d'une Vie avec Jacques Pessis sur Sud Radio qui reçoit le dramaturge René de Obaldia. Bonne journée à vous sur Sud Radio.